c'est quelque chose. C'est pas mal chose, hein. Mets-moi des vraies balles pour voir. Merci. Ça y est, c'est lui qui va nous casser les couilles dès le début. C'est moi. Putain. C'est quoi ton prénom, moi ? Morgan. Morgan, ok. Le but, c'était de pranker Link, qui se fasse enlever par des Albanais et qui se fasse du coup torturer. Gentiment, évidemment. Bonjour, tortue. Là, on joue pas, je l'aide à mâcher. C'est une torture, je te jure. C'est ma mère qui fait ça, c'est un bouffon. Je vous promets que c'est une torture. C'est bon, hein ? Ouais. C'est une spécialité albanaise. Mais le plus dur aussi, c'était de relier ça au live. Du coup, il y avait aussi le délire de trouver l'excuse de pourquoi il se retrouvait dans cette situation. C'est là que Damien a eu l'idée de faire un live urbex, surtout que ça marche bien sur Twitch. On a eu une information sur un lieu abandonné. On joue full téléphone, et dans le montage, on récupère vos flux, et très vite, nous, on voit le camion qui arrive, les deux cascadeurs, ils vont le prendre, ils vont le mettre à l'horizontale. Et voilà, on ferme les portes. Il y a deux, ils se doutent de rien, là. Je suis pas hors d'amis, moi. Ça fait 2 mois que je sais qu'on va faire un truc en rapport avec la série. On fait un métier passion, tu te rends compte de la chance qu'on a ? Oh ! On se réveille, on tue des gens, on raquette des gens. Alors j'ai su directement que j'allais être mis de côté et que je saurais rien et que tout serait une surprise. On le ressent beaucoup mieux là, quand il y a 40 personnes, tu vois, la prod est énorme. Et toute la journée, je voyais que des gens qui savaient exactement ce qui allait m'arriver. Et moi, j'étais le seul débile à jamais rien comprendre, à me faire trimballer d'un endroit à un autre, à un truc. C'était trop bien, ouais, parce que c'était des... Enfin, c'était que des surprises et des trucs cool à faire en fait. Même s'il y a eu des trucs un peu hardcore. Et... Il sait qu'il va se faire enlever ce soir, mais il sait pas où, à quel moment, à quel lieu. Il sait pas du tout quand est-ce que ça va arriver dans le live. Les trucs de torture, il sait pas ce qu'il va subir. Les phases d'initiation, il sait pas ce qu'il va devoir faire. Le combat chorégraphié, il le sait. Il le sait. Ok. Allez, donc ça, on peut le bosser avec. Oui, bon, bah, il arrive. Parce que moi, il m'a dit qu'il voulait pas forcément voir le décor, donc je pourrais vous le montrer. Mais ouais. S'il veut pas le voir, il peut attendre. Ah bah, le voit pas. Lui, c'est mieux. Alors, je vous montre le décor principal, parce qu'il est pas au même endroit. Là où ils vont réagir aux tortures, donc il y aura Hugo et Terra Cid qui seront là et qui verront ce qui se passe dans la salle de torture. Et donc du coup on leur a mis des moniteurs. Ils sont en oreillette avec Link. T'es beau toi ? Il va se faire torturer. Ah ! Pour communiquer, lui dire voilà on est là. Là, tu sais, il y a un moment donné, quand on se lève à 6h30, qu'on fait des machins, des trucs, qu'on porte des trucs lourds. Ça va pas passer là. Attention. C'est fou parce que là il y a une porte et ils sont obligés de passer dans une porte où il n'y a pas de place. Franchement c'est dégueulasse. Ah, le reste de l'équipe est arrivé. Ah oh, putain, Elia. Ça va ou quoi? Les branleurs là qui arrivent. On va pile poil à l'heure quoi, il faut quoi. Arthur, pour ceux qui vous allez vous battre demain. Salut, tu nous casses pas la gueule. Salut Hugo. Donc Thomas, t'arrives ici, tu fais tu veux t'enfuir. Je vais l'exploser. T'es gonflé à la testo quoi. Tu retrouves Damien ici, tu vois, retrouves ton pote, tu fais putain t'étais où machin. Ok. Là, Arthur est là, double beigne, toutou. Théoriquement il te passe au-dessus de la tête, parce que j'ai compris. D'accord. Il te prend au col et en fait tu le tires. Ok. Tu le tires comme ça et tu fais hey. Mets pas ta main trop haut pour pas le choper dans la gorge. Au lieu de l'avoir là, de l'avoir ici, comme ça, quand tu parles, tu peux même parler avec tes mains. Tu vois, si je pars avec mes mains, j'ai déjà le contact avec Arthur. D'accord, si je suis tout dur et qu'il me baigne, ça fait ça. Okay, t'as pas la sensation. Si je suis relâché, il me la met, et je me laisse partir. D'accord. Eh oh. Ou même, joue le. Ouais, si ouais, tu. Ça serait plus beau si tu esquives un peu. Ouais, c'est bien. Ils ont pas le temps de faire. Oh, non, c'est genre. Bah tu vois. Ouais, tu nous enchaînes. On fait une vitesse réelle. Vous êtes chaud ? Ok. Il est motivé. Ça a énervé. Il est possible qu'à un moment donné, tu aies une arme à feu dans les mains. Ok. De type flingue et Thérèse ici présent et là juste pour pas que tu te fasses mal avec. Tu prends jamais quelqu'un avec, le chargeur déjà dedans.
c'est engagé. Quand tu veux. Ok. Je l'achète. J'en prends 12. On peut essayer. C'est reparti pour le cours. Mais non, c'est bon, je suis. Pas bien enfoncé. Mais c'est quoi cette merde, chargeur? Mais comment les gens font la guerre? C'est un vrai bordel. Clac. Eh. Hey. Alors. C'est quoi là? C'est moi ou c'est pas moi? Alors, ce qui est bizarre, c'est que je viens de le faire, ça l'a engagé. Non, tu m'as vu. Bon, reculez derrière. Waouh. Oh, c'est quelque chose. Allez, donne-moi ta sérumène. Tu me fais sucer après. Après, j'imagine qu'il y a plus de recul quand il y a une vraie balle qui part. Quand il y a une balle dedans, il y a un peu plus de recul. Ouais. Grave erreur. Grave erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Tourne là. Retourne là. Oh là là là. Oui. C'est bon, là, c'est rentré? Là, c'est rentré. Ouais, j'ai fait heureusement que j'étais... C'est un rapide, lui. Merci. Bon, là, merci. Parce que là, c'était cool. Quand on va le jeter, ouais, faites gaffe qu'il prend pas un genou dans la tête. Ouais. Flavien, faut qu'on y aille, là. Est-ce qu'ils ont lancé leur live, là? C'est quoi, ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tout double là! Tout double là! Ça va! Vous étiez effrayant! C'est horrible! Nous, on a regardé le truc dehors, je me suis dit, on s'est vraiment braqué en fait là! T'as bien fait! Non, j'ai pas eu de. J'ai eu mal nulle part! Nickel les gars! T'as rien d'autre de fragile? J'ai une pompote à sortir en cas de. Au pire, tu la sors et puis. Qui sera l'easter egg. Mais t'es crédible là comme ça. Hein. François Bellic. Moi je sais pas ce qui va trop se passer ici. Hein. Je suis un accompagnateur moral pour toi. Ça fait plaisir. Photo. Oh j'étais bien avec toute la famille. C'est trop drôle, t'es vraiment plein de bière. Oui par contre. Ouais. Je sais pas ce qui se passe. Badon. Badon de fou. Tu t'es prévu un petit parcours là pour les 10 minutes de rolling? Ça va être des tours d'hôpital, je crois. Ouais, alterner virage à gauche, virage à droite, zigzag, grosse ligne droite, donc on peut avoir des lignes droites. Ah putain, ma gerbe. C'est quoi? Est-ce que vous étiez focus sur le. C'était la maxi gerbe. Avec Damien, quand il est monté dans le truc, et clairement on se regardait tous, on était tous en train de suer à grosses gouttes. Parce qu'en fait il fait chaud, ça ne respire pas, et le truc il fait. Ce serait une anecdote de tournage. Il a vraiment failli gerber. Personne ne marche, personne ne parle. Personne ne pète. Allez, coupez. Putain, les gars, vous faites tout. Merci, là. C'est le camion. Bon, allez, t'es chiant. Ouais, je t'avais dit pas rigoler. Je suis gay, rigole pas. C'est le camion. Attends, vous allez. Mais non. Allez, une dernière. C'est le camion. C'est le camion. Juste, faut qu'on y aille. Tu te tais. On y va, c'est tout. Mais c'est le camion. Discret. Ok, coupé. Il faut juste prendre les sandwichs. C'est bon. Bah bien sûr que c'est bon les sandwichs. Dès qu'il dit qu'on peut géolocaliser, c'est la fin de la scène. Attends, c'est bon. Pourquoi on fait pas une scène où on est justement avec le téléphone en faisant. Si, c'est prévu. Ça, tu vois. C'est prévu. Donc je n'ai aucune bonne idée, vous les avez déjà tout eu. Bon. Mais non, on en a parlé tout à l'heure. Ta gueule. Allez, dans le personnage, je suis un yorbexeur. 3 sur 1. Le but, le clap. Je comprends pourquoi j'ai pas de cachet. Hein. C'est pas les satanés dont vous parliez tout à l'heure. Attends, faut pas qu'on chuchote, ça n'a aucun sens. Mais t'as raison. Mais comment on fait pour retrouver l'autre con? Je sais. Mais si, attends, je peux le chercher. Mais quoi? J'ai une photo. Ah bah attends, mais là c'était une masterclass. Ah non, elle était trop bien en plus. Putain. Mais pourquoi t'as mis 3 heures? Bah parce que je regardais si j'avais le rush. Je faisais genre. Coupé. Ah. Attends, j'ai un tweet à faire. Je peux le géolocaliser. Coupé. On soit déjà en train de manger, je pense. Ce qui est drôle, c'est justement qu'on est en train de bouffer alors qu'on devrait. Ah, imagine-toi que le plan d'après, c'est quand même une bagnole qui fait des pneus, quoi. C'est pour ça. Là, on est en train de manger. Ah ouais. Action. C'est vraiment pas bon. Tu veux le mien? Attends, j'ai une idée. On peut tourner? Ouais. Tu veux celui de Thomas? Tu veux celui de Thomas? Ouais. Eh oh!
Nouvelle session Colors. Allez, on en fait une. Non, c'est bon. Ah bon, ah, c'est moi qui décide. Hein. C'est moi qui vous paye. Non, mais c'est pas ça. Bah, si Olivier a décidé que... Ah ben, moi, je dis plus rien. Je dis plus rien. On a préservé le plus possible de tout ce qui va lui arriver en termes de torture et d'initiation. Mais c'était peut-être pire hein, en fait. Hein. Il faut vraiment que tu sois détendu. Pour l'instant, je suis pas c'est détendu. C'est la règle de base, détendu. Là, en gros, j'arrive de gerber. S'il me donne un piment ou un truc comme ça, je vais gerber. Hey, Thomas, en vrai, tu veux un Vaugelen? Tu veux un... Non. Tu veux prendre l'air un coup? Franchement. Ouais, je vais me balader. Oh, mais je me love ça. Mon histoire, c'est des excuses. Hein. Septembre, 8h44, nous venons d'arriver sur les lieux de cette attaque terroriste albanaise. Tu viens de le kidnapper. Mais là, t'es chez toi, donc bon. Tu dis, tu bouges pas, tu restes là et tu sors. Okay. En torture, on a quoi qui est pas lié à l'alimentaire? Il y a les bocaux. Le surstroming, et il y a cette espèce de truc de Dr Maboule. Ah si, je pense que le piment était dans l'intronisation, mais on peut le faire bouffer le piment. Mais... Alors, ça marche. Oh, t'as plus la gerbe? J'ai gerbé dans la salle de conférence des médecins. C'est vrai. Mais je les trouve chaud que ça marche pas super bien en fait, parce que tu as vraiment un droit adapté ou pas du tout? Fin de la réunion. Sur le show, il y a trop... Imaginons qu'à un moment j'ai aucune réaction ou c'est nul. On peut retourner un truc? Techniquement on peut, c'est juste que c'est dommage parce qu'on perd le côté one shot de toi qui s'attend pas. Le but c'est que tu découvres et que tu réagisses à chaud pour que ce soit un vrai réacteur. Ok. Ambiance bizarre. Okay. J'en tire tous. En tant qu'humain, adorable. Par contre, en tant que personnage, il fallait faire des trucs pour te faire flipper en fait. Il me l'a fait la gueule. Non, c'est pas la ta gueule, mais tu sais, genre les compressions, genre, c'est sur les épaules. Tu prends jamais mal le premier degré. Oui, oui, je sais. On va te faire mal. Non, mais c'est bon. Ça me... Je serais pas vexé. C'est pas, je le prends pas perso, je m'en fous. Et passons au prochain objet, c'est une caméra de 783. J'ai vu les enchères à 5€. Adjugé à personne. Bah c'est plus rapide, t'as raison. Hein. Pourquoi il a ramené un vélo? Je psychote surtout. Je sais pas si c'est en rapport avec moi ou si c'est juste un vélo en fait. Paraît-il que t'es au courant qu'en fait tu vas avoir une oreillette? Ouais. Allez, on va pouvoir se mettre en place. Et du coup, il y a pas de twist pour que j'ai l'oreillette. On va te la mettre maintenant. Ouais. Comme tu peux le voir, ça peut y aller à la mettre. Il va te lancer ça. Tu la tâtonnes un peu, tu fais semblant de la trouver rapidement. Tu fais semblant de la mettre. Tu vois? Comme ça. Ok. Action! Est-ce qu'on peut ramener la première torture, s'il vous plaît? Non! Non! On va jouer avec le docteur. Le docteur, ça va être très simple, ok? Alors, je sais même pas ce qu'on doit faire là-dessus. Mais pourquoi c'est clair? D'accord, c'est juste ça. Vraiment, vous êtes pas fait chier. Hein. Ça, les gars, c'est juste très bon. Ah, c'est délicieux, mais là, dans cette situation. C'était bien? Je pensais pas que ce serait aussi drôle que ça. Je m'attendais pas à en chier autant. J'ai quand même. J'en ai vraiment chié. Le pire, le piment. C'est le piment, c'est pour ça. Le piment m'a enculé. Genre, premier degré, j'étais. C'était douloureux. Ouais. Parce que j'en avais partout sur les lèvres, en fait. Et le hareng truc. Ouais. Même si je... Tu sais que j'ai failli dégueuler à cause de toi, je me suis levé du bureau et je suis parti parce que... C'est un truc que je mange, en fait. Ah non, mais en vrai, il est pas du tout... C'est un truc que je mange. Ah non, mais c'est pas horrible. Non, mais regarde, juste à l'odeur, tu sens que c'est un truc au vinaigre. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est très bon. Non, mais en fait, la texture... Moi, j'en ai fait. Ça sent les candidats. C'est du hareng au vinaigre, enfin, tout va bien. Mais en fait, la texture,
il y avait tellement de monde à ton voie, j'étais en mode. Non, mais ça, c'est je suis en train de bégère en fait. Il y a tout le monde qui regarde, j'étais en mode. Non, vraiment bien joué, Thomas, c'était cool. Ouais, non, vraiment, t'as géré de fou. Oh, la vidéo va être incroyable. Ce qui est un truc de ouf, c'est que t'es passé de stressé à vomi à on direct. T'étais genre le mec le plus à l'aise du monde, genre masterclass de fou. Ça se trouve, il faut prendre un Lexomil à chaque tournage. J'ai pas confiance en mon jeu. Allez, Lexomil. Allez, 3 Zadax. Moi une photo comme ça je l'envoie à ma mère. Mets-moi limite le canon sur la tempe. Hein. Ouais. C'est un très beau moment de vie. Qui est un vrai consumer tous. Coucou toi. On va voir si t'es plus bas. Ah yes. On va voir si t'es vraiment qui. On va voir si t'es si tu bois de la bière. Nickel, avec l'oreille qui sort, c'est parfait. Allez, moteur demandé. 5 sur 6, première. Coucou toi. On va voir si tu peux bavard que ton pote. Salut, enchanté. 5 sur 6, deuxième. On va voir si t'es plus bavard que ton pote. Tu l'as toujours aimé. C'est bon pour toi, Olivier? C'est bon pour moi. Il fait péter un truc sur le mur, il fait péter un truc incendie, et à la fin il vise les bidons. D'accord. En fait il va tirer une fois raté, deux fois raté, troisième bidon. Troisième raté. Trois fois raté. Trois fois raté, c'est la quatrième qui est là-bas. Moi je veux pas qu'il aille vite. Je vais quand même le prévenir, imagine on nique la scène parce qu'il se dit je suis chaud, vas-y je tire vite. Tu préfères lui dire tire, tu prends ton temps. Et puis t'es une quiche quoi. Vas-y, je préviens. Moi tu pourras pas m'avoir dans l'œil, ils ont dit c'est mort, c'est pour des raisons... Comme on est dans un espace confiné, bah ouais. Ça va décupler le son de l'explosion. Je suis obligé de lui dire où pour qu'il comprenne, où il devra tirer. Non, non je lui dis pas, je lui dis pas. Sans rien pour moi je veux dire c'est... Tu vas tirer 4 fois. 1, 2, 3, va bien. Quatrième tir. 1, 2, waouh. En fait moi je te dirai un truc au quatrième tir que tu n'entendras pas, donc le seul truc que je peux te dire pour pas spoiler c'est concentre-toi pour le quatrième tir. Mais fais comme si t'avais une information pour te concentrer. C'est juste. Quand tu sais rien, c'est bizarre parce que. Mais t'as aucune inquiétude à avoir, vraiment. Je suis censé rater les trois premiers, mais non. Ça va être naturel de les rater. Ouais. Imagine que t'as un vrai flingue dans les mains et que tu penses vraiment que tu vas réussir à viser et qu'en fait ça vise pas. Caméra tourne. Action ! Hélico et tout en même temps. Bam ! Après, tu mets le doigt sur la gâchette et t'appuies. D'accord ? Allez. Voilà. Allez. Allez, vas-y. Regarde tout droit. Tout droit. Ah c'est bien ça. C'est mieux. On arrête. C'est mieux. Regarde là-bas. Le bonhomme. Le bonhomme. Le bonhomme. Le bonhomme. Oh, il se bat. Salut. Hugo se prend la porte, on voit sa tête par terre, genre il est évanoui. On arrive sur Link, il se voit et hop, et on est super là. Ouais, tu veux. De faire ça. Attention. Mais du coup, faut que je m'en rends que lui il est KO. Bah, je pense que... Tu te retournes vite fait, mais c'est ça qui prend ton attention après. Ouais. Très vite. En fait, comme c'est un peu un moment KO, parce que c'est un moment fuite, ça va être... Oh putain la chute, oh putain la fin, oh putain. Tiens, okay. Il y a trois putains à la chute. On voit juste la porte qui tombe, mais c'est l'arrière. Et là il arrive, t'as l'aéro, tu vois. Et lui il est saucé, il vient d'exploser un bidon, tu vois, donc en fait il a la porte seule, il fait... Et là, putain les gars, les gars. Et là, on vous suit de dos, vous poussez la porte, et en fait on raccorde de l'autre côté, dans ce qu'on a vu déjà hier. Vu que j'ai fait dur, vu que je la prends comme ça, mon réflexe c'est de faire ça, il faudrait que je fasse. Et ouais, là, peu importe si la porte elle est loin, toi même si je le fais ici, ça marche, hein, ouais. Vu qu'il est là. Ok. Là, ça marche, ok. En prenant de la sécu comme t'as fait là, et ça marche très bien. On y va ? Pour de vrai, là, cette fois-ci ? Ouais, pour okay. De vrai. Ok. Action ! Mais je t'en crois, bordel ! Moi, ça me va. Ça vous va ? Ouais, ça me va. Plan sur toi, vraiment comme ça. Ouais, voilà. Genre à l'envers ? Très bien. D.
dès que la porte tombe, il faut que toi tu sois comme ça et que directement tu me dises on bouge, tu vois. Quand tu commences à courir, je te suis en disant mais attends, il y a Hugo. Jauge la fin de ta phrase pour que tu aies fini de la dire avant d'ouvrir la deuxième porte. On va essayer. Si on va voir. Action répétition. C'est un merdeux, faut qu'on se casse. Et action. C'est la merde, il faut qu'on se casse. On se casse. Y'a Hugo. On s'en fout, on a pas le temps. Oh là là. J'ai pas mis la main. Oh, tu l'as extra. Quand même, ça fait un peu mal. Et il y a une plaque là. Ouais, il y a une plaque dans le dos. C'est pour ça qu'il tape comme ça. Ça va, tu peux tirer. J'ai plus senti passer à vitesse un peu plus élevée là. Moi aussi. Ouais, toi aussi. Parce que je vais essayer de faire un peu plus. On va pas répéter 50 fois. Non, hein, il faut qu'on trace. Allez, ouais, ok, ça marche. C'est bien. De toute façon, le principe de base d'une gifle, c'est comme si je te mettais un petit hameçon là. Ouais, il m'a dit que tu tires sur le côté. Tout simple. Mais ça marche bien. Bruité d'ici, ça marche. Ok. Good. Dégage, j'ai moins de nouveau cette. Quand il te prend la gorge ou pas du tout? Pas trop, mais non, je vais. Est-ce que je peux mimer un peu le. Ouais. Peut-être pas en dessous de l'hiver. Juste quand je te prends et je commence à tirer, n'hésite pas à prendre juste mon bras, comme ça il va t'aider en fait. C'est mon bras, ça va. Ouais, par réflexe en plus. Ouais, ça va. Allez, y'a, on est chaud, on court, et action! Et gros balourd! Allez, charlatan! Et maintenant? Allez, gros dur! Action! Allez, gros! Elle est bonne? Je te jure, je me suis évanoui dans ses bras, je t'en mode. Ah, on vit des aventures, hein. Quand j'ai arrêté de crier, c'est que j'étais plus là. Ok, les gars, c'est une méca. Vas-y, on y va, vous vous regardez. Ouais, c'est vachement mieux. Bon, vous regardez. Top. Ouais. Attends, regarde bien. On regarde la cam. Ouais. C'est sûr. Bah, tu sais, c'est un peu le côté fun, j'ai adieu Yuri, quoi. Ok. Ça tourne au son. Ok. 8 sur 4, première. Et action. Putain, le coup de clavette, il est... Ah, c'était vraiment une scène d'homme, quoi. Hein. J'ai de la testostérone. 8 sur 4, deuxième. 8 sur 4, quatrième. La clavette, j'ai envie de dire. Bah de toute façon, en vrai, je pense qu'il peut en refaire une max, quoi. Ouais, c'est bien dur, mais on verra. Hein. Peut-être que celle-là sera super, on verra. Action. Non, j'ai pas prise du tout. J'ai coupé. Ah ouais? Je peux sentir un crack. Un crack? T'es sûr? Je sais pas. Là, c'était bizarre. Vas-y, on essaye. On en a une dernière. Vas-y, on essaye. 8 sur 4, 6ème. Yep. Dans l'énergie. Et. Action! Coupé! Pas mal? Sur le. C'est peut-être la mieux celle-là. C'est la plus. Ouais. La plus précise en tout cas. Ouais. Bah. Par contre, j'ai pris. Mais je crois qu'elle est bien. C'est bien, oui. c'est bien parce que je voulais la meilleure. Ouais. On pourra le refaire sans cesse pour l'améliorer, mais je veux dire, tu vois. D'accord. Là, c'est bon, elle est bien. Ah, on passe à la suite. Bien salé. Donc, la suite, Thomas, donc le salto arrière du balcon.
ce qu'on se disait, c'est que ça va être horrible d'être acteur. Les temps d'attente, frère, c'est insupportable. Surtout pour... Là, c'est souvent la première qui est la bonne. J'imagine une journée où tu fais que le même plan. Mais du coup, je comprends maintenant pourquoi des fois dans les films, cette scène-là, c'est toute la journée. Je me dis, elle dure 5 secondes. Ok, non, je vous crois. N'oubliez pas, plus vous allez être loin de lui, plus vous serez en fin de course sur lui. Ouais, donc, voilà. Et plus je rentre sur lui, et plus je peux l'emmener loin. T'inquiète, prends le début. Merde. Ok, allez. Il a tombé, 2-3 secondes. Ok. Putain, mais quand est-ce que je m'en débarrasse de cette conne? Vous descendez, tu reviens, tu la lâches, tu poses dessus. Oui, attends, t'as raison. Je veux juste faire. 8 sur 7, première. Dernier plan d'Hugo. Ouais. On l'a laissé le faire et demandé. Et on va passer sur le dernier plan de la journée. Déjà, en plus, t'as la note, Hugo. Ah oui, attends, on peut pas avoir concours. Et Hugo. Mais c'est bon, il y aura. Non, mais juste à la fin. Juste à la fin de... Vu que c'est moi qui t'ai demandé pour Hugo, c'est moi qui te redemande pour Hugo. Ok. Et Hugo, alors. Moi, t'inquiète. Non, pour ce. Moi, t'inquiète. Moi, t'inquiète. Ça va vraiment faire. Ah. Yeah! On était du coup pas loin. Oh, t'inquiète! Fabien, tu peux annoncer. Pour Hugo et Thomas, c'est une fin de tournage, c'est une fin de journée pour aujourd'hui. Pourquoi pour moi? Damien aussi. Autant pointé, t'es tenu, je sais. T'es tenu. On voit ça avec la meilleure face. C'est ici qu'il croise la bagnole de flic. T'es censé le croiser et après tu démarres la course poursuite. 3, 2, 1, go. On va être à l'intérieur avec lui. Il y a comme ça, il va faire comme si c'était une route normale. Ça va être bien. Ce que je veux, c'est le driver qui est tout droit dans la terre. Et du coup là on va tourner du coup la phase action bien sûr. Qu'est-ce que tu te sens de tenir notamment sur les lignes droites avec un beignet? Un quoi? Avec un donut. Ah ouais. Faire le truc tu vois et en fait l'idée c'est quand ouais, fait le truc tu mets dans la bouche et en fait tu vois. Parce ouais, que je me dis tu vas rien dire et c'est un peu marrant, ça va être le cliché du flic au donut. On joue un peu le. Mais je crois pas que j'en mange trop, je me suis mis au régime si tu veux, donc. C'est pour le bien du film. C'est pour le bien du film. Donc du donut, le jeune collègue un peu flippé. Bien ouais, sûr, bien sûr. Ah c'est mon premier jour. Allez, on se met en position de départ. Passer à son pouvoir. Eh oui. C'est bon Alain, t'es sauvé, on a tes donuts. Ah ouais. Et la Twizy va te suivre. Toi, tu as le retour direct, c'est bon, c'est bon.
peux lui dire plus près moins. Ouais. Tu lui dis plus près moins près. Je vais juste la cam avant de partir. Ouais, j'ai bien vu. Allez, 3, 2, 1, go. Si tu peux remonter. Oui, oui, ça ira plus vite, hein, Pierre, évidemment, on ira plus vite que ça. Oubliez pas le van et la Golf. Soyez dynamique et soyez jouez ouais. Avec le véhicule ouais. Qui est de la matière, que ça bouge, le van ouais. Gauche, droite, etc. Quoi. Go, Pierre. Je le mets dans la bouche par contre. Là ouais. Il a un donut dans la bouche, parce qu'il est flic. Okay. Un peu la classe. Les coordonnées sont j'avoue, mal changées, ouais, presque. Ça, ouais. Non, mais... Genre un mec qui est cascadeur, mais il a peur dans les attractions. Ah, j'ai peur en avion, j'ai peur d'une souris, j'ai peur... Par contre, on peut peur de mourir dans une cascade. Ça, c'est bien, ça. Voilà, ça manque de... un petit peu ça en van. D'accord, mais après, j'ai peur si je tape une roue dans le trottoir, boum. Ah c'est vrai. Ah oui. Bah oui, si je tape sur le côté, blam, ça explose. Bah tu tords la roue et c'est fini. Ah oui, ok. On la veut pour le tonneau. On la voilà, veut, on la veut. Ok. Je sais pas comment ils arrivent à... Ça donne pas envie. Ah non. Reste devant. Je pense poursuite, mais depuis l'intérieur. Ok. Alors là, tu montes là, non ou... Ouais, je vais me mettre pareil dans le coffre. Alors on ferme le coffre. Ouais. Ça conduit sévère ici. Et bah, c'est un départ. On peut y aller. Ouais. C'est un départ dans 5 secondes. Et 3, 2, 1. Pas plus mal. Ça va, ça se passe. Ça le fait sinon ou pas? Ouais, ça le fait quand même, c'est très cool. On la refait parce que j'aimerais bien que la Tunisie vous colle un peu plus. Ouais, et surtout sur le retour, oubliez pas de l'attendre pour qu'on soit vraiment proche, tu vois, et serrez-vous quoi. Mais non, ton arrivée là-bas, ça déchire. Si on peut se faciliter d'accord. Ça, c'est là, moi j'ai exactement. Enfin, là, les plans ils sont mortels. Hein. Ouais, c'est-à-dire d'accord. Que quand t'as vraiment fait ton reverse assez près, et avec cette caméra-là, vraiment les phares sont. Ouais. Tu vois, vraiment, il y a vraiment ce truc. Bon, allez, c'est reparti, les gars, on y retourne direct. Allez, vous. Super. On peut faire l'install Go Golf. Quelle aventure. Caille un peu. Hein. Un film des cons. Je t'aime. C'est long, on a beaucoup. Là, il y a du jeu, les gars. Il y a du jeu. Là, il y a du jeu parce que en fait, les caméras sont sur votre gueule, ah oui. De l'extérieur, et c'est vraiment le rond-point arrive et il y a juste un. Moi, je vais prendre un toki, je vais faire top et vous allez faire. Et c'est juste ça qui va être monté. Il va arriver là et en fait il va faire les tonneaux comme ça. C'est quoi? Il va arriver là, là il y a le rond-point. Ouais. Et le tonneau part par là. Ouais. Et le van part par là. Quoi? Jeune? Alors là vous voyez, Alain il est en préméditation, il se prépare pour le tonneau en fait, vu que ça demande beaucoup de concentration. Il est vraiment en train de se concentrer, ça demande beaucoup d'énergie, c'est pour ça on le laisse tranquille dans ce genre de situation. Ça t'embête de nous prendre en photo? Attends, avec lui à côté, vas-y, on se fait comme ça. Avant un moment de... Tu vois, j'ai besoin du regard de... Oh, tu vois, oh putain quoi. En fait, vous faites un truc 3, 2, 1, tu vois, ouais, voilà, un truc comme ça quoi, tu vois. Et ça va, très bien. Voilà. On fait comme ça ou on voit un peu arriver à votre moment? Belle accroche, Maxime. Ouais, merci. Hein. Ça bouge pas. Hein. Voilà, un petit peu. Ouais, pas mal. Mais juste. Bouge, c'est juste ce qu'il faut en fait. Ouais, juste ce qu'il faut, exactement. C'est pas que ça bouge, c'est que ça suit là-dessus.
Putain, une cascade avec un donut dans une bouche. C'est quand même exceptionnel. C'est très bien. C'est très bien. Ok. Allez. Et l'autre? Là, c'est Tono. Alors, tes derniers plans de Paul? C'est une fin de tournage pour Paul. On a juste un tout ensemble. C'est fini pour Paul? C'est fini pour Paul. Bravo, bravo, allez, bravo. Merci à tous. Merci. J'arrive là. Alors, la voiture, elle risque de faire sur le toit, tu t'en fous. Ça, je m'en fous. Si elle tourne pas, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est. Parce que ça complique tout si on veut faire plusieurs. Enfin, au moins un tour. Non, mais c'est le risque, je te dis que. Je préfère qu'elle fasse un tour complet, voilà, et qu'elle retombe sur ses pattes et que c'est tant pis pour mon plan à l'envers. Voilà, c'est le poteau, on peut pas aller trop vite, il y a le poteau là-bas, tu vois. Ah, le poteau là-bas. Oui, oui, oui. Non, c'est qu'ils disent, je vais faire un plan avec le Chevrolet. Tu vois, Adrien, moi je pense qu'il faut plus le mettre comme ça. C'est drôle, c'est le poteau là-bas. Le poteau là-bas. C'est ça, le poteau il est loin, quoi. Tac. Est-ce qu'elle va tourner comme ça? Elle va tourner comme ça. Ouais, donc vers nous, enfin, tu vois. Bah oui, de toute façon, ouais. Oui, alors, mais du coup, elle se met à 90 degrés. Oui, mais c'est pas une science exacte. Et tu vois, là, il y a un dévers. Ouais. Alors, on peut pas trop gérer le truc, quoi. Ouais. Bon, je refais un passage, les gars, je refais un passage. Donc là, alors Charles, 50 je prends. 50. On part de très loin comme ça, on se cale bien. Ah, toi ça te va ici, ouais. Si tu restes là. Ouais. Faut que tu sois, tu vois, pas loin du poteau. Ouais, bah c'est ça. Moi j'irai jamais là. Et normalement, elle devrait venir plus par là déjà. Oui, normalement. Oui. Normalement, bon, c'est, les gars, c'est pas une science exacte encore une fois. Il y a du dévers, il y a la rigole. Bon, bah allez. C'est parti. C'est parti. Donc là, Charles il se barre à gauche et moi je me barre à droite. Tu veux pas que je te les ramène, toi? Allez, en place. Olivier, c'est bon pour toi? On peut la tourner? Départ dans 5 secondes. 3, 2, 1, go! Alors moi je sais même pas, j'ai pas regardé la vrille, j'étais genre sur le cadre, sur le machin. Okay. Bah Olivier, je te laisse l'annoncer. Ouais. Bah les gars, je crois que on peut annoncer une fin de tournage sur ce plan. Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo à tous. Bon, allez, pas sur, le bah ouais, bah du coup tu seras pas payé. Voilà, c'est bon.